Intactic, un nouveau média numérique. Qu'est-ce qu'Intactic ? Intactic est un logiciel d'animation de séances d'entraînement. Plusieurs formules s'offrent à vous. Tout d'abord, Créateur et Pro qui vous permettent de créer vos animations. Et Reader qui vous permet de visionner. Le logiciel est disponible sur plusieurs plateformes, Windows, Macintosh, Linux et désormais Android. Un petit exemple de ce que peut faire pour vous Intactic. Voici un schéma tel qu'on en voit tous les jours aux entraînements. Voici désormais ce que cela peut donner avec notre logiciel Intactic. Pas convaincu? Voici à présent un exemple d'une séance d'entraînement avec plusieurs schémas et plusieurs exercices à réaliser. Maintenant, voici la version Intactic, avec ces mêmes schémas et ces mêmes instructions. Il suffit ici de cliquer et l'exercice se lance. C'est beaucoup plus simple que de devoir l'imaginer. Il s'agit ici d'un exercice proposé par Christian Gourcuff. Qu'est-ce qu'un pack Intactic ? Découvrons le pack de Christian Gourcuff, stage d'avant-saison. Sa page d'accueil vous présente l'auteur du pack ainsi que le thème abordé. Dans le menu en haut à gauche, vous retrouverez l'ensemble de la séance avec les différents entraînements et les exercices qui les composent. Dans la rubrique Classification se trouve un tableau récapitulatif des thèmes abordés au cours de ces séances. Dans le menu Vos exercices, l'auteur vous donne un conseil sur la programmation à suivre. Prenons une séance d'entraînement. Il vous suffit de cliquer sur la représentation de l'exercice et l'exercice se lance grâce à Intactic. Chaque exercice d'un pack d'entraînement possède sa fiche technique qu'il est possible d'imprimer. Pour visionner l'animation, vous cliquez sur « Lecture ». Nous allons ici le voir en accéléré. Avouez qu'avec Intactic, c'est bien plus explicite que sur un classeur. Ici, il s'agit d'un but marqué par l'en avant de Guingamp face à Sochaux. Quelle offre pour un club ? En ce qui concerne la création, pour un entraîneur, soit principal, soit d'un pôle, la formule créateur ou pro. Pour son adjoint, la formule créateur ou pro, ou la reader, ce qui lui permet de visualiser. Ensuite, pour les accompagnateurs, bénévoles, parents ou joueurs, la formule reader, qui va leur permettre de visualiser les animations réalisées par l'entraîneur et les adjoints.